Bienvenue à la ferme intégrée SDG Agro. Ce matin, nous allons parler de repondeurs qui sont dans leur poussinière et qui vont bientôt quitter leur poussinière pour aller là où ils vont grandir définitivement. Donc, nous allons vous montrer ce que nous avons à ce niveau. Si vous nous suivez actuellement, c'est parce que la thématique de développement, d'investissement et d'agriculture sont importantes comme elles le sont également. Sur ce, vous avez deux choses à faire. Un, c'est de vous abonner à notre chaîne SDG Group. Deux, c'est de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir toutes nos vidéos à chaque fois que nous allons publier. Sur ce, suivez-moi. Bienvenue dans notre poussinière, c'est ici que nous démarrons nos poussins. Et ce sont nos pourpondeuses que nous allons démarrer ici. Et pour pouvoir les démarrer, vous voyez que je suis un peu parce qu'on a mis des bacs tout autour de l'enclos pour garder une chaleur à l'intérieur. Parce que les poussins, quand ils sont dans la nature, ils sont couverts par leur maman qui leur donne la chaleur. Mais ici, ils ne l'ont pas, donc nous devons remplacer leur maman. On fait cela pour maintenir la chaleur et on met aussi du feu qui donne la chaleur à l'intérieur. C'est comme ça qu'on arrive à maintenir la chaleur maternelle dont ils ont besoin. Actuellement, on ne met plus le feu parce que vous voyez, ils n'ont plus de duvet. Ils ont des poils. À peine, vous voyez encore des duvets, parce qu'ils n'ont plus de duvet. Ils n'ont plus besoin de mettre le feu, la chaleur intense à l'intérieur. Et même ceux-là, aujourd'hui, on va les déplacer. On va les déplacer aujourd'hui pour les mettre là où ils doivent grandir définitivement. C'est à ce niveau que nous démarrons nos poussins. Notre capacité ici peut aller jusqu'à 1000. On peut mettre 1000 ici. De l'autre côté, nous allons commencer avec 500 et nous allons commencer avec 500 également ici. Mais notre capacité, notre objectif, ici à la fin de l'année, c'est d'avoir au moins 5000 pondeuses à la ferme jusqu'à la fin de cette année. Ça, c'est notre objectif parce que plus vous avez les animaux, vous économisez en investissement. Donc c'est très important parce que la qualité est très très importante et nous voulons miser sur ça. Donc actuellement nous avons 1000 à la ferme, mais d'ici la fin de l'année notre objectif c'est d'atteindre 5000 et agrandir un peu plus. Donc c'est notre première année où nous avons commencé les pondeuses, mais nous voulons faire un truc de grand et un truc bien. Donc c'est ça que nous faisons ici, ça c'est notre poussinière. Vous voyez, je suis beaucoup parce que on a entouré l'enclos des bâches pour maintenir une chaleur à l'intérieur. Nous allons avec les mains de bord et c'est pour vous montrer ce que je disais à l'intérieur il y a quelques minutes par rapport à la chaleur. Ça permet de maintenir la chaleur à l'intérieur pour la pousser. Donc c'est très important, la chaleur est très très importante. Jusqu'à au moins un mois et demi comme ça, ils ont besoin d'une chaleur qui remplace la chaleur maternelle. C'est très très important. C'est très important, la chaleur est très importante. La chaleur, l'eau et la nourriture. Et vous suivez les consignes phytosanitaires et les consignes pour les vaccins, les vitamines, tout ça, c'est très très important. C'est très important. Ce sont des aliments vraiment délicats et vraiment intéressants. Délicats, intéressants, mais il y a des normes, il y a des règles à respecter. Si vous respectez toutes ces normes, si vous respectez toutes ces règles, vous allez vraiment en tirer profit. Donc je vous conseille vivement à faire ce genre d'élevage. L'élevage de pondeuse, c'est très rentable. C'est très rentable. Parce que nous, on avait fait plusieurs années auparavant. On avait arrêté parce qu'on avait quitté le pays. Maintenant, on revient pour investir au pays. Parce que
qui va le faire à notre place? C'est nous, fils de ce pays, qui allons développer ce pays. Et vous savez actuellement que les denrées alimentaires, les denrées agricoles deviennent un peu plus chères. Donc, c'est l'occasion pour nous tous de chercher à investir en agriculture. Et je vous conseille d'investir dans les produits pondeuses également. Merci et à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner. Bye bye.